voulez savoir pourquoi j'ai sorti mon appareil photo, c'est tout de suite dans Let's Go Digital. Le challenge qui agite la toile en ce moment, c'est celui des photographes. Roulade arrière, salto, sauter, je crois que c'est devenu un sport pour faire la photo. Moi, je me suis essayé. Regardez le résultat. L'événement qu'il ne fallait pas rater a eu lieu ce 20 février sur les objets connectés ou les Internet of Things. Les programmeurs de la communauté Codon ont échangé avec nous sur les potentialités que peuvent offrir les objets du quotidien de la maison. Split, télévision, réfrigérateur. Ah, Photoshop, ça fait 30 ans qu'il nous sert à embellir nos photos. Justement, pour les 30 ans, la firme Adobe nous offre 3 nouvelles fonctionnalités sur desktop et sur iPad. Remplissage d'après le contenu, amélioration des options de flou et de manière générale, de meilleure performance. Un nouveau service en ligne fait son entrée au Gabon. Balloon Assurance a pour vocation de rendre l'assurance accessible en 2 clics. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet. La douane se digitalise un peu plus. Imaginez, vous êtes un douanier, vous devez remplir un formulaire que vous devez aller déposer en physique à la douane. Ben, le petit bémol, c'est que déjà une erreur peut se glisser ou vous pouvez perdre le formulaire. Justement, pour pallier à ça, l'État gabonais a opté pour Sidonia World, un logiciel connecté dans tout le Gabon qui permet d'améliorer les performances de la douane et de la rendre plus transparente. Pour finir, le classement des pays les plus connectés d'Afrique. Et oui, le Gabon est 8e devant l'Algérie et l'Égypte, avec 50% de sa population qui utilise Internet. Et c'est notre question du jour. Selon vous, qu'est-ce que les Gabonais font sur Internet? Pour avoir une meilleure réponse, retrouvez le rapport Gabon Digital en description. Allez, moi je retourne faire mes photos. On se dit à la semaine prochaine. Salut!